Alors, le rendez-vous Montréal.ad à New York, c'est une activité organisée par l'Association des agences de publicité du Québec, mais qui vise tous les acteurs de l'industrie de la communication et de la créativité au Québec afin d'assister au plus grand rendez-vous médiatique et publicitaire en Amérique, Advertising Week, et ça a lieu du 3 au 5 octobre prochain. On a réussi à bâtir une programmation qui va, selon moi, extrêmement servir pour les participants qui vont se rendre là-bas. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, pour les agences de publicité, ils vont avoir la chance de rencontrer les Search Consultants du Canada et des États-Unis. Donc, les meilleurs Search Consultants à New York, ainsi que la meilleure Search Consultant du Canada, qui est basée à Toronto, va se rendre à New York. Et ça, ces gens-là, ce qu'ils font dans la vie, c'est eux qui ont le mandat de choisir les agences de publicité qui vont avoir le privilège de pitcher pour des gros comptes majeurs. Donc, pour une agence de publicité, d'être connue par ces personnes-là est essentiel. Et l'autre exemple que j'aimerais vous mentionner, c'est la présence d'Alphonse Cornella. Probablement, les gens ne le connaissent pas ici, mais en Espagne, à Barcelone, c'est une sommité dans le domaine de l'innovation, du processus de création et de l'innovation. Il a développé tout l'aspect de la force de la collaboration pour créer des choses nouvelles. Et ce monsieur-là, qui est le président fondateur de l'agence Infonomia, va venir à New York parler à nos gens dans une conférence privée au Friars Club, mais aussi aux gens d'Advertising Week dans une conférence avec le Cirque du Soleil pour parler des cas de collaboration qui permettent aux organisations de générer de nouvelles occasions d'affaires. Et puis pour moi, je suis très ravi de voir autant d'engouement, tant au niveau des agences de publicité, que nos partenaires médias, que la classe politique, que les annonceurs, que les partenaires connexes, et même nos partenaires de New York ont à l'égard de cette initiative-là.